Il y a une personne auprès d'elle ? Oui, il y a une personne, elle lui fait des massages. Ah, elle sait faire les massages ? Bon, ben, c'est bien. Et vous êtes où ? À la salle d'association à côté de la mairie. Oui. À côté de la mairie. D'accord. Votre nom ? Florian. Oui, numéro de téléphone ? Monsieur, ouvrez les yeux, serrez-moi les mains. Oui, les pompiers, j'écoute. Tu as ça de l'association à Cognac. Qu'est-ce qui se passe? Il y a une personne inconsciente qui respire. Vous avez fait quelque chose? Oui, non, j'ai fait la PLS. D'accord. Et voilà. Vous êtes qui? Alex Urbain. D'accord. Votre numéro de téléphone? 06-64-68. D'accord, je vous amène l'appel des pompiers. Ok, donc là, respire pas. Ok. 9 et 10 et 11 et 12 et 14 et 15 et 16 et 17 et 18 et 19 et 20 et 21 et 22 et 23 et 24 et 25 et 26 et 28 et 29 et 30. Alors maintenant, tu essaies de faire du bouche à bouche. Donc tu bascules bien la tête en arrière, tu pinces le nez. Alors tu fais. Tu mets tes doigts en crochet, comme on fait pour la bascule prudente de la tête en arrière pour la personne inconsciente qui respire. Sauf que là, tu bouches le nez. Avec ton autre main, tu bouches le nez, tu ouvres la bouche et tu englobes la bouche avec la tienne et tu souffles. Hop. Ouais, tu vois, ça s'essouffle. En même temps, tu regardes, tu jettes un œil. Dès que ça se soulève, tu t'arrêtes. Et là, on fait deux fois. Top. Tu vois, là, ça a bien marché. Ok, bah, c'est bon, tu as les gestes. Écoute le bip. C'est un peu rapide, là. Voilà. Par contre, vous verrez demain chez l'enfant et le nourrisson, il faut être plus rapide parce que le cœur chez un enfant ou chez un nourrisson va beaucoup plus vite que chez un adulte. Ah bon ? Les battements du cœur sont plus rapides chez un enfant et chez un nourrisson. Encore plus chez un nourrisson que chez un enfant ou chez un adulte. Les nourrissons, c'est bien pareil que les adultes. Si, les anciens, les personnes. Allez, respire pas. À l'aide, à l'aide. Ouais, je suis là. Vous avez besoin, monsieur? Qu'est-ce qui vous arrive? Ouais, faut donner. Votre défibrillateur. Quoi. Défibrillateur. Et c'est tout? Oui, et appeler les pompiers. Ah bon, c'est mieux ça. Bon, bah, Thomas, puisque t'as le coup de truc à... Non, le talon, juste pas la main complète, juste ton talon de main. Là, redresse les doigts pour pas appuyer sur les côtes. Et là, les bras bien tendus. 11, 12. Il faut mettre le et en fait 2. Et 1, et 2, et 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Allez. Top. Allez, c'est parti.
Non, t'es pas mis là. Bien, bien ici, le creux d'ici là. Et 1, et 2, et 3, et 4, et 5. Tu vas un peu trop vite là. Inscris bien la tête en arrière. Pince bien le nez pop. Non, c'est pas assez. Pince bien là, tu vois. Ici, crac, hop. Voilà. Là, on bloque bien la bouche et souffle fort. Top. Là, ça a marché. Là. Une autre. Une autre. Voilà. C'est mieux. Ok. Allez, c'est bon, tu peux couper. Est-ce que tu mets la tête en arrière? Passe le nez. Passe le nez. Bascule la tête encore. Là. T'es trop loin. Là, bien en creux. Voilà. Écoute, bien tendu. Voilà, comme ça tu fatigues moins. Un peu plus fort. Voilà. Essaie de bien. Refais deux insufflations. Mais bascule bien la tête en arrière, pince bien le nez. Vas-y. Souffle. Souffle, souffle. Vas-y, ça s'est pas soulevé. Fort. Là, voilà, c'est mieux. Tu vois la différence? Ok, allez.